Yo, salut, c'est Maverick, j'espère que vous allez bien. Et je suis en mission. Je comprendrai jamais avec les corpos. Ils ont tout. Le pouvoir, le prestige, des édits à plus savoir qu'en faire. Mais ils continuent à se comporter comme des pommards de première. Prends mon client, par exemple, un gros bonnet de Jikeng Tao. Il a décidé de finir torché à Arroyo. Alors les gens d'Arroyo lui ont fait goûter à l'hospitalité locale. Il est en vie, mais il a perdu un objet précieux. Et j'ose pas imaginer ce que ces gens-là considèrent comme précieux. Mais il faut que je le récupère avant que ses supérieurs l'apprennent. Alors au boulot. Détail en pièce jointe. Yo, salut. Alors je disais, salut tout le monde, c'est Maverick, on est en mission. En mode un peu roleplay, sans ATH. Attendez, je l'ai vite fait la mission. Tac. Ok. Ah, je te contacte. D'accord, faut que j'aille choper un éclat. Donc je disais, on va être en mode roleplay. Donc, hop. On va enlever la carte, j'avais juste mis la... Ok, c'est bon. Ah, désolé, hein, c'est un peu cafouillis là, c'est... Comme d'habitude, hein, c'est imprévu. Donc on va essayer de se faire roleplay, garder que les armes que j'ai sur moi. Donc, hop. J'ai une batte de baseball, machin. On va... Qu'est-ce que j'ai en arme? Du tout. Je suis pas fan du tout. Alors j'aime bien que je m'équipe comme ça, mais ça peut partir en couille assez vite, hein, donc... tac, on va prendre celle-là. Voilà. Ouais, beaucoup mieux. Voilà, maintenant, aucune modification en fait sur les armes. Je change plus rien. Ok. Il faut que je chope un éclat. Là-bas. Ah, là-bas. Chez un putain de gang. Ok, il y a du monde au balcon. Entrepôt. Ok. Je vais peut-être aller faire le tour avant. Voir si je peux pas passer par les toits ou de l'autre côté, j'ai vu qu'il y a l'escalier. Regarde ça. C'était pas du tout ça que je cherchais. Mais c'est cool. Juste là, on va repinguer un coup. Repinguer un coup. Hop. Ok. Ouais, je prends tout ce qui peut, tout ce que je peux. Hein. Je ferai le tri plus tard. J'essaie de me dépêcher de pas être trop long pour ça parce que je sais que c'est assez chiant. Même si j'en fais qu'un, c'est pas grave. Je ne cours pas après l'argent, mais je cours après la gloire. non, je cours après l'argent comme tout le monde. Alors, si je fais 9, c'est de la baise. C'est pas grave. Bon, ce qui est bien. Ils ont pas de caméra ici. Bon, c'est la deuxième mission que je présente en vidéo là. Sur le nouveau patch 1.6. Déjà le premier je l'ai fait en infiltration. Lui on va voir ce que ça donne. On va rester en infiltration aussi.
Mais bon, moi, l'infiltration, ça fait de ça part tout le temps en couille d'habitude. Hein. Non. Non, c'est ton problème maintenant. Et alors? Ça va continuer comme ça? Alors par contre, juste regarder. Ok, j'ai bien la mission sélectionnée. J'ai pas le point. Putain, il y avait un mec tout à l'heure là, non? J'ai pas cru voir un mec passer. Oh merde! C'est tendu, hein. Excusez-moi, hein, je suis concentré, je parle pas beaucoup. Tiens, tiens. Y a pas de malaise, vas-y, sors. Ok, j'ai entendu parler comme c'était à côté de moi. Ah bah, voilà le fameux petit éclair. Ok. Si tu te montrais pour qu'on discute un peu. Merde. Ah là, faut que ça parte tout le temps en couille. Attendez, je vais lire juste le message vite fait. Putain, V, si un skis s'appelle des renforts pour l'éclat et dégage de là. Ouh. Tiens, ta gueule. Ça picote, hein. Putain, mais. Je vais tomber là. Faut combien de cartouches? Charger tranquillou et on avance. Regarde le mien, tiens, et quand je suis prêt ça dégomme direct, hein. Ok, allez, vous avez quoi les mecs?
Allez, donnez à papa tout ce que vous avez. Allez, je prends tout. C'est tout? Ok. Ah, putain, une conversation là, j'ai mal à choper. Hop, j'ai tout truc comment craquer le bidule, je travaille. Ok. C'était beau ça. Ça c'était magnifique. On va repasser par le toit. Hein. Non mais vous pouvez dire hein, que j'ai du talent et tout. Hein. Franchement ça me gêne pas. Allez, on se barre d'ici. C'était qui? Comment il s'appelle déjà? Ah, c'est Karl Kinski. J'ai les données, et maintenant? Bien, parfait. On doit se voir au plus vite. Je connais un endroit où... Attendez, je vous envoie les coordonnées. Bien, à tout de suite. Ne traînez pas. Venez vite. Okay. Oh, Dieu merci, vous êtes là. Les Eddie, Karl. Oh, il s'est bien fait faucher le gars. Tenez. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Bordel. Oui. On était si près. C'est quoi ça? Non. Merde. Pitié. Non. Comment ça va, Karl? Putain, on y... Doucement, les gars. Ah, au secours! Mais je... Putain. Pas eu le temps de l'entendre parler, les gars. Putain. Pas mal. Faut admettre. Ah merde, je croyais qu'il était mort, putain. Peut-être que... Parce que bon, j'ai vu les mecs débarquer, machin, j'ai tiré, mais peut-être que le mec, je l'aurais laissé. Ça aurait peut-être changé carrément le cours de l'histoire. Mais bon, il y a un contrat. Et le contrat, c'était de donner au mec qui s'est fait casser la gueule. Vous les avez tués? On dirait, ouais. Vous feriez bien de me filer les édits et de vous tirer. Tenez! Ah ouais, ok. Passé loin vers la fin. Ça aurait pu très très mal tourner. Mais bon, le client est en vie. Et toi aussi. Je vais faire préparer une planque pour Karl. Je pense qu'il sera ravi de payer un petit extra. Super boulot. Merci. Combien? Ah, 17 000 quand même. Karl, qu'est-ce qui t'était passé? Bon, ok.
qu'une fois toute ta vie devait merder, j'en ai plein le cul. J'espère encore moins, c'est grâce à vous, rien à foutre de cet éclat. De contour. Bonne chance, Kira. Ah, on va lui mettre. Les laissez pas vous choper, Karl. Il a pas répondu. Je dois me tirer une oupisse peut-être, merci V. Ah si, quand même. Ah. Tac. Plus de crédits. Ouh. 2000 crédits en plus. Alors par contre, là, le fusil à pompe faut vraiment être prêt. Hein. Donc voilà, bah, voilà la petite mission. Donc j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires et dites-moi comment vous l'avez fait vous. Allez, salut!